Allez, restez en place dans 2 minutes. On démarre 2 minutes, 2 minutes. Le temps que je fasse les réglages, le temps que je m'installe. Allez, 2 minutes. Thank you.
Allez, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Allez, j'espère que vous allez bien. Installez-vous bien. Et aujourd'hui, on va faire une petite session de yoga adapté. Donc, le but du jeu, ça va être de se détendre, de prendre le temps de faire les mouvements, de faire les postures d'aujourd'hui. Si vous êtes sur chaise, ben, regardez, je vous ai mis une chaise là au cas où, si on en a besoin à un moment donné dans la séance. N'hésitez pas à me le faire remonter. Vous pouvez sur YouTube mettre des petits commentaires. Si vous arrivez à trouver, c'est vrai que des fois c'est compliqué en fonction de comment vous êtes inscrit et comment si vous êtes sur la tablette, sur le téléphone ou sur l'ordinateur, ça peut avoir son importance. Donc si vous n'arrivez pas à mettre des messages, ben, mettez-les-moi sur Facebook à la limite. Moi, je suis connecté tout le temps. Donc je suis toujours Jonathan pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis ancien en activité physique adaptée et donc aujourd'hui je vous fais part d'une façon d'aborder le yoga adapté. Et donc, vous aurez besoin aussi pour la deuxième partie d'un petit tapis, d'accord ? Ceux qui ne veulent pas aller au sol, ce n'est pas grave, il y aura des exercices quand même sur chaise qu'on pourra faire pendant que les autres sont au sol, ok ? Ça marche. Ou sinon, si vous voulez faire que la première partie de la séance, là, vous faites que la première partie, ok ? Ça marche ? Donc, mettez-vous à l'aise et vous savez qu'à chaque début d'activité, que ce soit le yoga ou d'autres activités, on va juste s'échauffer rapidement les articulations. Ok ? Allez, on va démarrer tranquillement avec sa tête et on va tourner la tête. Je suis content de vous voir ce soir. Hein. J'ai eu une journée assez chargée, mais on est là, on est ensemble ce soir. C'est 18h, je suis rentré pile poil pour le couvre-feu pour pouvoir démarrer les exercices avec vous. C'est vrai que vous savez qu'à 18h, il y a un peu de monde. Donc j'ai eu un peu de retard, mais je suis à l'heure, presque à l'heure. Allez, on va tourner sa tête. Allez, prenez le temps. Donc, il va y avoir, ça va se passer en trois étapes. D'accord ? Une première étape, de recentrer un peu la respiration avant de démarrer sur les exercices. Deuxième étape, ben, donc, du coup, on va faire les exercices de posture debout et au sol ou assis. Et la troisième étape, ça sera un petit temps juste où on laissera un peu relaxer le corps. OK ? Allez, les mains sur les épaules. Allez, on va faire des mouvements amples et commencez à aller tranquille. Ne soyez pas bourrin, ne faites pas les choses rapidement. Prenez le temps de bouger les articulations. Vous voyez que ces exercices-là, on peut les faire aussi au sol. Allez, on y va. On bouge un petit peu les articulations en avant et en arrière. Et en arrière. Allez, pardon, excusez-moi. J'ai toutes les batteries de mes appareils qui ont lâché aujourd'hui. Donc, j'essaie de me connecter un peu partout. Allez. Allez, super. Allez, on s'échauffe un peu rapidement, mais tranquillement, vu que c'est la fin de la journée. On va quand même bouger un peu les articulations parce qu'il faut savoir que sur les postures, chaque posture, il faut quand même une certaine. On va travailler la souplesse, on va travailler certaines positions qui ne sont pas forcément faciles à faire. Donc, toujours adapté, hein, parce qu'on pourra toujours trouver des situations un peu plus saines. Voilà, le but du jeu, ça va être quand même de réveiller un peu les articulations avant de commencer. Allez, on va aller sur les côtés, tranquillement. Allez, vous amenez le haut du corps à droite et le haut du corps à gauche. Allez, prenez le temps. C'est pas mal. OK. OK, les mains sur les hanches, bougez un petit peu votre bassin. Dans un sens et dans l'autre. OK, rapidement sur les côtés, d'un côté et de l'autre. On s'échauffe un petit peu. Attention, et faites-le quand vous le sentez. Allez. Comme on aura besoin à certains moments, un petit peu des genoux, tourner un petit peu les articulations, tranquillement. Allez, c'est notre petite routine d'échauffement, toujours avant de commencer. Oui. OK, rapidement, on va faire avec la cheville, on va tourner un petit peu sa cheville. Allez. OK, donc sur la fin de journée, normalement la cheville tourne quand même assez bien en fin de journée. OK.
Allez, vous allez relâcher un petit peu les bras, là, on va se mettre bien en l'aise. Vous allez mettre les mains sur le ventre. On va commencer notre premier temps de respiration. Je vais baisser juste un petit peu. Alors, je ne sais pas comment vous l'entendez, mais moi, c'est vraiment fort ici. Je pense que vous ne l'entendez pas trop fort. Donc, on va y aller tranquillement. Vous allez essayer d'inspirer. Donc, en inspirant, on va essayer de gonfler le ventre. Et à l'expiration, je vais essayer de rentrer mon ventre. Je peux vous le montrer de profil, peut-être vous le verrez mieux. J'inspire, je gonfle mon ventre et je souffle. Je vais rentrer le ventre. Essayez de faire circuler un petit peu la respiration de haut en bas avant qu'on commence les exercices. Vraiment, on va essayer de calmer un petit peu au niveau de la respiration. Allez, j'inspire, je gonfle et je souffle. Je rentre mon ventre. Allez, on le fait 5 fois chacun. Prenez le temps. Allez, j'inspire. Je gonfle mon ventre. Et je souffle. Je rentre le ventre. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de respirer, essayez de faire des souffles, des expirations assez longues. J'inspire. Je gonfle mon ventre. Je souffle. Allez, faites-en encore 2. Tout seul en autonomie. J'inspire. Et je souffle. Allez, la dernière. J'inspire. Ah, il faut... Le bon repère, c'est que les épaules ne montent pas. D'accord ? C'est toujours un travail avec les abdos. Certains connaissent. Je souffle. Ok, vous allez relâcher comme ceci, les mains ouvertes. Les pouces vers l'extérieur et je vais essayer de monter les bras en inspirant. Je monte, j'inspire et je souffle. Chacun monte comme il le sent, c'est adaptable sur chaise, c'est le même exercice sur chaise. Je souffle. Vous avez vu le temps de monter, le temps de descente, il faut vraiment y aller doucement hein, pour se relaxer. Si vous faites des mouvements très rapides, ben, on ne laissera pas le corps se détendre. Allez, j'inspire. Toujours penser, je gonfle mon ventre et je souffle. Toujours les paumes de main vers le haut. Allez, j'inspire. Pas mal. Et je souffle. Ok, il faut souffler longtemps là. J'entends, je ne suis pas avec vous, mais j'entends qu'il y a une coupure au niveau de la respiration. Allez, allongez un peu plus votre respiration. J'inspire. Et je souffle. Ok, toujours pour terminer ce travail de respiration avant de commencer les postures, vous allez cette fois ouvrir. Donc je pars de là, j'ouvre et je souffle devant. J'ouvre, j'inspire et je souffle. Relâchez. Alors, on monte, on va essayer d'enchaîner les deux. J'inspire en montant et je souffle. J'ouvre mes bras, j'inspire et je souffle de l'eau. Donc ça, c'est comme un peu si on prenait l'énergie un peu en mode tai chi, d'accord, pour ceux qui connaissent, ou le qigong, hein, qui sont des travaux où on travaille autour de mouvement et d'énergie. Mais là, c'est vraiment quelque chose de basique sur la respiration. Ok, donc on va voir, juste pour le dernier exercice sur ce travail de respiration, on va juste utiliser les épaules. Et cette fois, volontairement, je vais vous les faire monter. On inspire, on monte. Et on souffle, on descend. Ah, il faut qu'en fait, tout le poids que vous avez là au niveau des épaules, ben dans le relâchement, on relâche au maximum. Il faut que les épaules soient vraiment basses. Allez, j'inspire, je monte, j'inspire. Et je relâche la pression. Allez, j'inspire, je monte. Et je relâche. Allez, on le fait encore 3 fois. Allez, faites-le avec vous. J'inspire, je monte. Et je relâche. Je monte. Et je souffle. Allez, une dernière
fois, j'inspire, je monte. Et je souffle. Ok. Allez, on est fait prêt pour les premiers exercices. Donc, premier exercice, on va venir regarder comme ceci. On va venir croiser les doigts. Et donc, on va travailler plutôt sur le haut du corps. Donc, travail d'énergie et de posture où on va essayer de rester. Pensez sur les exercices qu'on va faire. Imaginez que vous êtes tenu là par un fil. Ok. Donc, vous allez croiser les doigts. Ok, premier exercice, donc tenu par un fil, c'est-à-dire que le haut du corps ne bouge pas. C'est les bras qui vont tirer, 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 tirer. À l'inspiration, je vais ramener, d'accord. Et à l'expiration, je vais pousser très loin, plus loin possible. Ok, allez, on y va. J'inspire. Et je souffle, je tire, je tire, je tire, je tire, je tire sur mes bras. Je souffle. Si c'est un peu dur avec le croisement des doigts, là, vous pouvez faire comme ceci. D'accord, c'est le même exercice, j'inspire et je souffle, je tire. Allez, restez un peu dans la position. J'inspire et je souffle. Allez, une dernière fois, j'inspire et je souffle. Ok, relâche. Alors on va le faire une deuxième fois, vous avez compris, ce n'est pas aussi simple que ça hein, sur les postures. Hein, on va compliquer un peu. À l'expiration, quand on soufflera, on viendra essayer de tourner la tête, toujours en ayant le haut du corps. Hein, on ne bouge pas le bassin, on ne bouge pas le dos. Okay, donc j'inspire, il n'y a rien qui bouge. Quand je souffle, je viens tourner la tête d'un côté. Okay, comme ça, on a un travail au niveau cervical, on va travailler pas mal aussi au niveau épaule. On fait quelques postures où on va travailler un petit peu l'équilibre. La tonicité un peu de la colonne. Ok, donc on inspire, on ramène et on souffle et on va tourner. Allez, on inspire, pardon, et on souffle de l'autre côté. Allez, plus la tête sera au niveau des épaules, mieux ce sera. Allez, on part de l'autre côté, on inspire et on souffle. Allez, on expire. On le fait une dernière fois. On souffle. Ok, vous pouvez relâcher. Allez, deuxième exercice, toujours en bougeant la tête. Donc au niveau cervical, on va essayer de prendre le bras. Celui-là, vous pouvez le connaître en étirement, sauf que c'est une bonne posture qui permet d'avoir un bon étirement sur toute la partie du bras, de l'épaule et la partie épaule et cou et trapèze. Donc, j'inspire, je suis droit et quand je souffle, je viens tirer. Allez, on y va. On tire sur le bras et on tourne la tête du côté du bras qui vient s'étirer. Allez, soufflez bien le bras le plus tendu possible. Allez, il faut relâcher. Allez, de l'autre côté, j'inspire. Et je souffle. Ok, vous pouvez relâcher. Ok, relâchez un peu. Allez, on va le faire une deuxième fois. J'inspire. Et je souffle. Allez, on y va. Je souffle. J'inspire de l'autre côté. Et je souffle de l'autre côté. Désolé, je regarde des fois mon téléphone pour voir s'il y a des commentaires, s'il y a vraiment des choses que je ne vous peux pas. Allez, détendez-vous, on souffle. Ok, vous pouvez relâcher un petit peu les bras. Ok, ça peut chauffer un peu au niveau des épaules. Allez, on va compliquer un peu petit à petit. Allez, prochain exercice, regarde. Vous allez prendre l'énergie avec vous-même. Et vous allez essayer d'aller chercher derrière la tête, si c'est possible, avec les coudes le plus haut possible. Allez, et on va souffler. Allez, on ramène tranquillement les coudes. Ok, respirez, relâchez. Allez, on va le faire une deuxième fois. Allez, on inspire.
Et on souffle, écoute bien. Ok, relâche doucement. Allez, on va le faire une troisième fois, mais je vais vous guider sur un exercice supplémentaire. Allez, on va aller chercher loin et on va ouvrir les coudes. Allez, soufflez. Ok, vous pouvez relâcher. Allez, pour relâcher un petit peu ce cou, vous allez essayer de descendre la tête en avant. Donc, quand je descends la tête en avant, vous avez vu que mon corps ne bascule pas en avant. Et on va relâcher. Allez, relâchez votre tête. Allez, le menton à la poitrine, on va commencer à tourner la tête de gauche à droite et de droite à gauche. Allez, on va relâcher un petit peu la tête. Allez, on relâche un peu toute la tension. Allez, ça peut craquer quand on tourne un peu la tête. Ok, vous pouvez relâcher. Ok, alors, je vais m'écarter un petit peu plus. Allez, dans le prochain exercice, on va y aller tranquillement. Ok, vous allez avoir une jambe devant, une jambe derrière. Ok, donc premier exercice, travail sur une posture de yoga qu'on appelle le chevalier serpent. Parce qu'on va faire comme si on avait une épée. Sauf que regardez l'exercice. On va commencer les postures un peu plus difficiles. Donc une jambe devant, une jambe derrière. Vous avez bien compris, si je le montre de profil, là on est. Voilà, une jambe, vous ne voyez pas mes pieds, mais on est bien en appui. Ok, on est bien en appui sur ses jambes. On va tendre les bras comme ceci, comme si on arrêtait les murs qui allaient d'un côté de l'autre. Allez, attention. Maintenant qu'on commence à être un peu aguerri dans les étirements, ça veut dire qu'on a acquis un peu de souplesse dans les épaules. On va pouvoir passer sur les rotations. Allez, j'inspire. Et je vais essayer de tourner mes bras en essayant de garder la tête dans l'axe. Et il faudrait arriver. On est vraiment une ligne entre la main devant, la main derrière. L'axe ne part pas dans tous les sens. Je serre bien mes abdos et je souffle bien. Allez, on change de côté. J'inspire. Et on souffle. Allez, souvent, c'est le bras derrière qui est beaucoup plus dur à mettre dans la tête. Même moi, là, ça bloque un peu. Allez, on le refait une deuxième fois. Et de l'autre côté. Je souffle. Ok, on peut relâcher un peu. Ok, relâcher un peu. On va pouvoir changer de jambe. Allez, toujours une petite flexion là sur les jambes. Relâchez bien les bras. Là. Relâchez bien la pression. Allez, je relâche. Allez, on y retourne. On monte les bras. Les mains sont cassées. Allez, j'inspire. Et je souffle, je tourne. Allez, vous allez voir qu'il y a un sens mieux que l'autre. Hein. Des fois, il y a un côté qui est mieux que l'autre. Et de l'autre côté. J'inspire. Et je souffle. Alors, c'est pas grave si on n'arrive pas complètement derrière. Si on est un peu comme ça, moi, ça me va quand même. Hein, d'accord ? Allez, de l'autre côté, j'inspire. Ça veut dire qu'au niveau des tendons, on est un peu fragile. Hein, c'est normal. Hein, on ne peut pas avoir une souplesse optimale. Hein. C'est pour ça que je mets du yoga adapté. On n'est pas des professionnels du yoga. Je ne suis pas un professionnel du yoga. Je ne suis pas un professionnel de la souplesse. Mais on est là pour pratiquer quand même et pour s'inspirer de certaines phases de travail. Et de l'autre côté. Ok, vous pouvez relâcher. Allez, ça peut tirer quand même assez bien là, au niveau des épaules. Allez, donc deuxième exercice, on va se remettre une jambe. Donc voilà, une jambe à côté de l'autre, d'accord ? On est bien flex là. Donc là, on va essayer de repartir. Toujours, on essaie d'avoir un exercice un peu plus statique, un peu plus dynamique que l'autre. Donc là, on va inspirer, on va reprendre notre énergie. On va essayer d'aller chercher loin, en arrière, et lever un petit peu la tête. À l'expiration, je vais essayer de rentrer la tête. Je vous le montre une première fois, que vous pourrez le faire avec moi. On va essayer de tirer vers là.
Ok, de vraiment avoir un allongement après les rotations. On travaille sur l'étirement au niveau de la colonne vertébrale et au niveau des muscles du dos. Hein? Ok. Allez, on inspire, on lève un peu la tête et on souffle. Donc, tous ces exercices que je vous montre, bien sûr, on peut les faire sur chaise si vous vous posez la question. Allez, on allonge, on allonge, on allonge. Une deuxième fois. Allez, on va le faire trois fois en tout. On inspire, on lève un petit peu la tête. C'est important d'avoir ce travail au niveau des cervicales aussi, hein, d'accord, pour travailler sur la colonne, mais entière, la colonne vertébrale du haut, de haut en bas. Et on allonge. Allez, soufflez bien. Allez, une dernière fois. Et je souffle. Je rentre la tête, je tire sur mes bras. Je mets bien les fesses en arrière. Ok, vous pouvez relâcher. Allez, vous pouvez vous pencher un peu en avant pour relâcher la pression du cou et des cervicales là, et des épaules. Relâchez bien parce qu'on les a quand même un petit peu travaillés. Ok, allez, on peut se redresser un peu. Allez, j'espère que ça va. Si vous voulez boire un coup, c'est le moment là. Buvez un coup. Voilà, laissez un petit peu au repos. C'est le moment avant de passer sur nos deux, trois derniers exercices debout, avant de passer à la suite, soit sur chaise, soit au sol. OK? Allez, buvez un coup si vous voulez. Allez, je vous laisse 30 secondes. Vous avez le temps de boire beaucoup. Ok, allez, donc on continue tranquillement, ok. Prochain exercice, on va venir sur le coucher de soleil. Donc pour ceux qui le connaissent, c'est facile en fait, il va falloir se déplacer un petit peu de côté, donc glisser le long de la jambe avec un bras, et avec l'autre, on va essayer de dessiner, donc vous pouvez le faire sur chaise aussi, elle descend le long de la chaise, on va essayer de dessiner un petit soleil, d'accord, un demi-cercle. Allez, on y va, on souffle. Pour vraiment travailler toute cette partie-là, vous devez le sentir. Allez, on remonte tranquillement. J'inspire bien, pensez à votre respiration et je souffle de l'autre côté. Allez, soufflez. Allez, on remonte. Et allez, on va le faire une deuxième fois. Et de l'autre côté. Allez, j'inspire. Et je souffle. Allez, je prends le temps. Pas besoin de descendre aussi bas si vous sentez qu'avant ça bloque. Hein. Et on remonte. Allez, donc on va passer sur notre petit exercice assez standard au niveau du yoga avec une position de l'arbre, mais déjà on va positionner en mode flexion et en mode main coude assez haut, comme ceci. Donc à l'inspiration, je vais pousser sur mes jambes, j'inspire, je monte, je colle mes mains et je vais descendre. Allez, on y va, on souffle. On reste bloqué. Allez, on est bien là, on prend son temps. Allez, il faut vraiment que le mouvement soit ample, tranquillement. J'inspire. Je colle les mains et je fléchis. Allez, troisième fois. Pensez, hop, au fil qui vous tient. Allez, on souffle. Ok. Allez,
faut lâcher un petit peu. Allez, on va le faire une deuxième fois, sauf qu'on va rester au-dessus de la tête. D'accord, en mode vraiment, voilà, les mains au-dessus de la tête et on va quand même descendre un petit peu. Allez, on expire. Allez, on termine cet exercice. Après, on essaiera de faire un petit peu d'équilibre là, sur le prochain. Et après, on se mettra au sol. Et on souffle. Allez, on fait une deuxième fois. Allez, passez à votre respiration. J'inspire. Je colle les mains, je descends. Allez, on fait une dernière fois. Allez, prenez le temps, j'inspire, je colle les mains, je descends. Ok, vous pouvez relâcher. Allez, on va voir si vous êtes bon sur la position de l'arbre complet avec, avec le pied. Donc, plusieurs solutions. Vous savez, moi, j'adapte beaucoup de choses. Et là, on va pouvoir l'adapter. Donc, soit vous arrivez à mettre le pied vraiment haut, d'accord. Voilà, je vais pouvoir mon pantalon. Normalement, il faut le faire pieds nus, hein, d'accord. Et vous le faites comme ceci, d'accord. Si c'est un peu dur, vous pouvez le mettre soit contre le mollet, plus bas, soit vous pouvez toucher aussi avec le sol. Voilà, si je le mets comme ça, voilà, là, j'ai quand même la position. Ce qui est important dans cet exercice, c'est l'ouverture de la hanche. Hein, ok. Donc, on peut ouvrir la hanche en touchant le sol. Ok, donc ouvrez la hanche avec une jambe un peu plus haute. Ok, allez, j'inspire, on va essayer de le faire une fois d'un côté, une fois de l'autre. Allez, j'inspire et je souffle. Allez, on reste un petit peu dans la position. Si on peut le monter plus haut, on monte plus haut. Si on peut juste toucher, on touche, hein, comme vous le sentez. Allez, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok. Allez, c'est pas mal. On va essayer avec l'autre jambe d'ouvrir. Allez, on se positionne. Ok. Allez, on inspire. On ouvre bien la hanche. Là, c'est important de bien l'ouvrir. Allez, on inspire. Et on souffle. Allez, soufflez bien, soufflez bien, soufflez bien. Je rappelle que vous pouvez juste toucher le sol. Ok. Ok, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, moi, ce que je vous propose sur la deuxième partie, ceux qui sont, qui n'ont pas de tapis et qui ne veulent pas être au sol, vous pouvez vous mettre sur votre lit. Ceux qui n'ont pas de lit ou ceux qui ne veulent pas se mettre sur leur lit, vous pouvez vous mettre sur chaise. Il y a certains exercices qu'on va pouvoir faire sur chaise aussi. Et ceux qui veulent aller préparer ce qu'ils ont à préparer, vous pouvez aller vous préparer. Mais du coup, là, on passe sur la deuxième partie, au sol tranquillement. Ok. Donc, je vais installer un peu. Si vous voulez boire un coup aussi, c'est le moment de faire un petit break. Et vous allez vous mettre au sol. Donc, moi, je vais juste régler un petit peu la caméra. Ok. Allez, j'espère que ça va. Donc, vous savez qu'on est ensemble jusqu'à 19h, hein, qu'on a un peu de temps encore. Il y a du boulot encore à faire au sol. Ok. Je vois qu'il n'y a rien de... Ok. Allez, on y va. Donc, premier exercice, tout simplement. Donc, il ne faut pas avoir un canapé devant. Hein, je ne vous le conseille pas. Vous allez bien avoir, je vais vous décaler un peu pour avoir de la place. Donc, premier exercice, vous allez vous mettre sur le dos tranquillement. Et le but du jeu, ça va être une jambe tendue. Et l'autre jambe, on va essayer de ramener son genou comme ceci. Donc, il y aura une série avec une jambe, une série avec l'autre jambe, et une série où on va essayer de relâcher un petit peu au sol. On va surtout travailler au niveau du dos. Donc là, on va essayer vraiment de relâcher la position vraiment en bout. OK ? Sur chaise, vous pouvez essayer de faire la même chose, si c'est possible. Relevez un petit peu le genou. Après, vous relèverez l'autre. Et vous ne ferez pas les deux, vous referez un genou, vous referez l'autre. OK ? Allez, prenez le temps. Allez, on y va, je fais avec vous. J'allonge une jambe, je me détends. Allez, je souffle bien, pensez à votre respiration, ne bloquez pas. Vous pouvez bien sûr le faire sur vos pieds. Hein, si... Alors, ce n'est pas le plus adapté, mais vous pouvez quand même le faire. Et on souffle. Allez, on ramène son genou.
Qu'est-ce qu'on est bien. Allez, on peut relâcher sur cette fin de journée. Ça fait du bien, on va relâcher l'autre jambe. Allez, on se met un petit peu en essai. C'est important que vous ayez l'autre jambe tendue. D'accord. Pour vraiment aller aussi sur l'ouverture là. Ok. Allez, relâchez. Soufflez. Relâchez. Allez, même sur chaise. Sur chaise, vous allez redémarrer une deuxième fois. Et nous, pendant ce temps, on va essayer de se mettre en boucle. Allez, on y va, tu danses. Allez, on souffle. Allez, on se met le plus en boucle aussi. La tête reste posée. Allez, vous soufflez. Allez, relâchez bien. Allez, vous pouvez reposer. Deuxième série, on va l'enchaîner assez rapidement. On va essayer d'avoir la jambe un peu plus tendue. Et on va essayer d'attraper un peu plus tendue. Ça va vous étirer un peu plus cette partie-là aussi. Vous allez voir. Voilà, plus ou moins de souplesse. Vous pouvez fléchir un petit peu le genou. Sur la chaise, vous tendez votre jambe. Vous essayez de la tendre et de la mettre le plus flex possible. OK ? Allez, on y va. On se... Allez, on pose. Tranquillement, j'inspire. Et je fais pareil avec l'autre. Allez, je suis. Allez, on peut relâcher. Allez, on va essayer de prendre les deux jambes un peu plus tendues. Allez, on tend un peu plus les jambes. Allez, on essaie de mettre les pointes de pied flex. Allez, soufflez. Allez, vous pouvez relâcher. Allez, respirez bien, soufflez. OK, c'est pas mal. Deuxième exercice, on va compliquer un peu. Attention à ceux qui sont... comment je pourrais dire qui comment elle s'appelle, contorsionniste, je cherchais le nom. Ah, il va falloir essayer de passer la jambe par-dessus l'autre. Ceux qui sont sur la chaise, vous pouvez essayer de croiser comme ça en tailleur, hein, d'accord. Et on va essayer, donc ceux qui sont sur la chaise, vous allez plutôt ramener votre genou. Ceux qui sont au sol, on va essayer d'attraper le genou qui est dessous. OK, donc je vous montre un petit peu. Tranquillement, j'attrape le genou qui est dessous et je souffle bien en essayant de ramener bien la jambe qui est dessous. OK. Sur chaise, hein, vous mettez en tailleur, vous essayez d'attraper plutôt le genou. OK. Allez, on y va. On attrape dessous et on souffle. Allez, pas facile celui-là. D'ailleurs, si sur le sol, vous n'arrivez pas à faire celui-là, vous pouvez faire celui de la chaise, mais au sol. Vous pouvez essayer de ramener comme ceci. Alors, ça tirera toujours au niveau des fessiers. Allez, relâchez. Allez, pensez à respirer. Allez, on peut poser, on peut changer de côté. Allez, attrapez bien la jambe qui est dessous. Allez, soufflez. OK, vous pouvez relâcher. OK. Allez, soufflez un petit peu. Allez, détendez-vous. C'est mardi soir. On a le temps. On prend le temps de soi pour soi. Allez, prochain exercice. Vous allez monter les genoux. Donc, je le montre en premier au sol, le temps que je vous lance. Et après, je vais le montrer sur chaise. Donc là, vous allez aller doucement. Attention, ceux qui ont des douleurs de dos, on va aller se décaler sur le côté. Il va falloir y aller doucement. Si vous sentez une douleur, hop, vous remontez. OK, vous allez jouer comme ça sur la douleur jusqu'à vous arriver à descendre un peu plus bas. Ce où ça va, on va essayer de descendre, jusqu'à arriver à toucher les genoux au sol, les jambes au sol. Et la tête, là, je vous regarde, mais la tête va tourner inverse des genoux. OK, faites-le tranquillement sur le sol.
Essayez de rester 20 secondes sur chaque côté. Sur chaise, nous, on va aller d'un côté et on va essayer d'attraper cette chaise derrière. Allez, et on va bloquer 20 secondes dans un sens et 20 secondes où on va essayer d'attraper de l'autre côté. OK? Allez, faites-le aussi sur chaise. Et moi, j'accompagne ceux qui font au sol. Allez, on va aller de l'autre côté. On souffle. Allez, tournez bien la tête du côté opposé. Vous avez vu, ma tête est à gauche. Les jambes sont à droite. Les bras, laissez les poser le plus possible au sol. Allez, ça fait à peu près 20 secondes. On remonte. On inspire. Et on souffle. Alors, on remonte et on inspire de l'autre côté. Ok, on peut remonter. Ok, relâchez. Ça va? Alors ça fait du bien plutôt pour le dos. On va continuer avec ce dos, mais on va se tourner un petit peu. Allez, on va se mettre plutôt sur les genoux. Attention, ceux qui ont mal aux genoux, ben, je vous propose plutôt de le faire derrière la chaise. Peut-être vous relevez. Pour ceux qui sont sur la chaise, vous allez vous mettre derrière la chaise. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Pour ceux qui sont au sol, vous allez faire celui-là. Donc le premier, ça va être je ramène bien les fesses. Je souffle bien. Ceux qui sont derrière la chaise, je vous le montre. Vous allez essayer derrière la chaise d'allonger derrière la chaise. Ok, soufflez bien. Allez, faites bien le mouvement. Allez, au sol, je vous accompagne. Allez, on part en arrière. On souffle bien. Et attention, deuxième exercice, je vais monter. Et je vais essayer de faire le cobra. C'est-à-dire, je vais essayer de descendre un petit peu au niveau des genoux et je vais essayer de monter un petit peu la tête. Allez, je monte un peu la tête et je vais essayer de descendre assez bas si c'est possible. Si je vois que ça tire trop, je m'arrête avant, bien entendu. Hein? Et allez, on va remonter tranquillement. Allez, c'est un assouplissement mais qui peut faire mal au dos en fonction de comment ça va aujourd'hui et de ce que vous avez. Donc c'est important que vous fassiez doucement. Le cobra, il y en a qui s'arrêtent vachement tôt. Donc, c'est pas grave. Allez, on refait une deuxième fois. Il y en a qui peuvent s'arrêter là. Voilà, pas plus de là. OK, ça étire quand même un petit peu le dos. Si on arrive, attention de ne pas fléchir. Là, on ne fait pas des pompes. Là, on essaie de se mettre avec une inclinaison. La flexion pourra vous éviter d'avoir une grande inclinaison. Donc, certains, si vous voulez fléchir, là, vous aurez moins d'inclinaison. Pour ceux qui peuvent garder voilà, bien... le dos assez droit, c'est encore mieux. Allez, soufflez bien. Pour ceux qui sont derrière la chaise, vous étirez surtout sur l'exercice que je vous ai montré. Allez, on fait une troisième fois. Allez, allez-y doucement. Et on va relâcher. Allez, un peu de cobra rapidement, j'amène mon bassin en avant, je monte la tête, je prends le temps, je pose bien mes jambes au sol. Donc celui-là, il est assez impressionnant en termes de courbure, mais c'est pour ça qu'au début, il ne faut pas le faire, parce que c'est vrai que le lombaire en prend un coup, il faut y aller doucement au début si vous êtes, on va dire, débutant dans la souplesse des lombaires. Si vous avez un petit peu de mal. Allez, on fait une dernière fois, mais cette fois, on va rester sur plutôt cette position pour vraiment relâcher le dos. Allez, vous pouvez relâcher. Allez, vous pouvez vous poser en avant. Ceux qui sont sur la chaise, vous pouvez vous asseoir. Ceux qui sont au sol, moi je vous propose, comme il ne nous reste pas énormément de temps, vous savez qu'on va devoir se quitter et qu'on avait erreur, je pourrais vous garder des heures et des heures, hein, sauf que j'avais dit, je m'étais donné un timing jusqu'à 19h, il nous reste
voilà, 6-7 minutes. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un temps pour se relaxer en fin de séance. On a travaillé le dos, on a travaillé un peu tout le corps. Donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est de vous allonger ou de vous asseoir sur la chaise. Allez, je vais m'allonger avec vous. Comme ça, je vais vous montrer la position. Donc, c'est la position la plus relâchée possible. Ça peut être les jambes en l'air, ça peut être les jambes allongées. Là, le but du jeu, ça va être de vous mettre en position la plus tranquille possible, la plus tranquille que vous pouvez. La plus tranquille possible. Et donc, on va souffler tranquillement, on va respirer et on va remettre ses mains sur son ventre. Qu'on soit sur la chaise ou qu'on soit au sol. Alors, on va inspirer tranquillement, suivez, je vous guide sur la respiration. Allez, on va inspirer et on va expirer. Vous pouvez descendre un peu la luminosité hein, si vous avez de la lumière chez vous. Et on va suivre un petit peu ma voix. Allez, tranquillement, vous allez inspirer et vous allez expirer. Pensez toujours à ce travail au niveau du ventre. À l'inspiration, je gonfle mon ventre. Et à l'expiration, quand je souffle, je lâche de l'air, je rentre mon ventre. Allez, j'inspire, je gonfle mon ventre. Et je souffle, je rentre mon ventre. Une fois que vous avez compris, vous pouvez vraiment vous mettre le plus à l'aise possible. Vous pouvez enlever vos mains de votre ventre si vous les avez mis. Mettez-vous le plus à l'aise possible. Allez. Et on va continuer la respiration. On inspire. Et on souffle. Allez, on inspire. Et on souffle. Allez, essayez d'en faire des un peu plus longs au niveau du souffle. Allez, on inspire. Et on va souffler plus longtemps. Vous pouvez fermer les yeux, détendez-vous. C'est votre moment que vous avez choisi pour vous détendre, que vous soyez sur chaise, debout, au sol, on s'en fout. C'est votre moment que vous avez choisi. Allez, on inspire. Et on souffle. Allez, vous allez respirer de manière normale. Concentrez-vous sur votre respiration, mais respirez comme vous avez envie. Allez, je vais vous laisser 3 respirations tout seul. Okay. Allez, continuez à penser à cette respiration. Et on va essayer de détendre un peu tout le corps et on va commencer par les chevilles, par les pieds. Et vous allez relâcher toutes les tensions au niveau de vos pieds. Allez, vous sentez que vos pieds, vos chevilles se relâchent. Toujours en respirant, on va sentir que les jambes, que les cuisses, que les mollets, toutes les tensions de la jambe se relâchent. Et là, vous êtes bien. Vous sentez bien votre corps sur la chaise, sur le sol, sur votre tapis. Et vous appréciez ce moment. Puis on monte jusqu'aux fesses, les hanches, les fesses. Le bassin, vous sentez que cette partie-là est bien ancrée au sol et est bien relâchée. Vous êtes bien, très bien.
Puis on remonte le dos. Vous sentez votre dos, vos épaules, vos bras, vos poignets, vos mains, toute votre partie haute du corps se relâche. Et là, vous êtes bien. Et on se cale toujours sur sa respiration. Puis on arrive à la tête, au cou. Voilà, votre tête est bien placée au sol ou tient sur vos épaules, assis sur la chaise. Et votre tête se relâche. Sentez qu'elle se relâche. Et là, vous avez tout votre corps qui est complètement détendu. Et là, pour terminer cette séance de yoga, vous êtes bien. Vous profitez de ce petit moment de relaxation. Tout le corps est relâché. Alors, on va faire 5 dernières respirations. Prenez le temps. Pensez plus à rien. Pensez à votre respiration qui est à votre ventre, qui monte et qui descend. Et à chaque respiration, vous allez faire bouger un membre de votre corps. Vous commencez par celle que vous voulez, ça peut être les pieds, les mains, la tête. Et à chaque fois que vous soufflez, un bout de corps se réveille. Vous pouvez bouger les mains, les doigts, les chevilles, les genoux, les hanches, le dos. Et on respire bien. On peut s'étirer un peu maintenant, on va avancer un petit peu dans le mouvement. Allez, pour bien se réveiller, vous étirez. Allez, et on peut se reconnecter avec l'environnement. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Vous pouvez bouger un peu. Ok. Allez, on peut se rasseoir. Vous pouvez vous reconnecter avec votre corps. Vous pouvez vous réveiller un petit peu. Oula. Allez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Donc, on terminera là-dessus. N'hésitez pas, comme je vous le dis à chaque fois, de vous faire des petits retours sur comment vous êtes senti. Vous voyez que moi, sur la façon d'aborder le yoga, je prends beaucoup de temps sur la respiration, sur un travail de posture, mais un travail un peu dynamique avec des petits exercices de relaxation, de respiration et de mouvement ample. D'accord ? Donc, ça, c'est vrai que ce n'est pas du yoga proprement dit, mais on est sur des choses qui font du bien et qu'au final, sur la séance, le but du jeu, j'espère que vous êtes détendu, que vous avez passé un bon moment. Et du coup, nous, on se revoit bientôt. D'accord ? Si vous êtes là la semaine prochaine pour les abdos, avec plaisir jeudi prochain. Et sinon, ben, ça sera à la prochaine, certains que je vais recroiser. OK ? Et pour d'autres qui découvrent la séance, ben, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment et vous avez vu que c'est... On s'en fout d'être assis, on s'en fout d'être sur le sol, on s'en fout d'être debout. Le but du jeu, c'est juste de prendre du bien, du bon temps pour soi, du plaisir. Et voilà, qu'on soit mieux à la fin. OK ? Ça, c'est l'essentiel. OK, je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée et de soirée. Allez, ciao, ciao. N'hésitez pas à faire des retours, à partager hein, aussi. Là, j'allais quitter. Mais surtout,